yon joie pour mon gain opportunité ça pour me capable faire ti causer avec vous. M'a commencé par complimenter vous évidemment non moins c'est Jacques Henri Janvier m'animé sur Radio Sayon émission débat politique chaque samedi à partir de 6h pour 8h. Donc et compliment d'avoir fait ou c'est que moi-même quel que soit ça m'ta ka gagner contre yon moun automatiquement moun sa investi tant dans le savoir moun sa c'est et les font sacrifice pour mettre bête sous lit son bagage mon respecté en pile. Donc c'est premier compliment à faire ou et deuxième compliment à faire ou Stanley c'est parce que vous son moun m'entendez en pile. L'aime du monde d'où en pile là, ça veut dire son monde qui très attaché à politique Haïti. Pas jamais pas faire radio, ça veut dire depuis où intervenu la difficile pour me battre de haut. Donc c'est calme ou bien la caïwa, dans l'intervention toujours fait dans radio ou bien en télévision, c'est calme que m'apprécier et ça montre tout que ou maîtriser ça a dit. Et moun très souvent fâché quand colère elle la font débat, c'est moun qui pas maîtriser ça l'a dit. Donc me penser ça son qualité li la kao et me complimenter pour ça. Donc me penser Mabdou merci et puis bon m'apprécie ça. Bon c'est vraiment pour un haïtien qui va là ici l'autre haïtien compliment merci en pile de ce message. Non mais c'est ça nous besoin ça en pile pour nous développer pays la caille nous tout parce que même leur compte au monde même leur gain problème avec lui mais faut qu'a gain courage les bon bagaille qui bon la caille les bon bagaille qui positif faut gain courage pour dire lui yeah. Eh ben en tout cas et nous pour rentrer dans sujet nous tout de suite parce que me connaît au gain pile bagaille pour dire et nous gain l'autre monde tout qui a pu intervenir. Et bien entendu, nous avant même nous rentrer dans le sujet, nous bon 2 minutes pour dire nous comme nous connaissons conseiller spécial et président République et Jovenel Moïse Ouye. Alors au cas dit nous qui ça qui pour qui ça ou dans gouvernement qui ça va faire dans gouvernement. Bon, président souvle sortir arrêté et côté yon nom même pour question de politique étrangère et aide externe et investissement direct. Bon, bien entendu, arrêté a des petits problèmes factuels que bon directeur cabinet président dit que yon va faire le nécessaire pour ça. Mais qui ça travaille là, et où on est que l'autre investissement, par exemple, tout pays qui fait développement économique là, Kayo, c'est pas l'État qui fait développement économique là. L'État crée les conditions pour que le monde qui gagne l'argent investi pour développement économique là vienne une réalité. Mais il y a un développement économique et un travail dans la société côté de développement économique. Il y a un business qui a marché côté de développement économique. Il y a une exportation qui a allé à l'étranger. Pour aller vendre produits là, à l'étranger. L'économie au pays a marché, il y a un développement économique, c'est l'exportation égale ou supérieure à son importé. Pour tout ce qui se parle là, nous connaissons que, il y a à peu près 35 ans, c'est pas un accident qui est là, à perdre des allèles. Et pendant 6 mois qui sont passés à nous, on a perdu à peu près 32% de valeur. C'est parce que nous importons plus que ça nous exportons. Nous importons pour 4 milliards, 500 millions de dollars américains. Nous exportons à peu près pour 1 milliard 200 millions. Donc nous avons un déficit commercial chaque année environ de 3 milliards de dollars américains. C'est pour ça que nous devons retourner aux oreilles. Donc si vous voulez un développement économique dans le pays, il faut bien des investissements dans la société. Un pays tant que la Chine, en 20 ans, il a retiré 500 millions de monde dans la misère avec investissements étrangers qui débarquent en Chine. Donc nous-mêmes, nous n'avons pas parlé d'investissement, ça veut dire. Il faut que la société a joué le premier bagaille pour l'argent débarquer dans la société, pour qu'une compagnie qui est dans l'agriculture, pour qu'une compagnie qui travaille dans le tourisme, pour qu'une compagnie qui vient investir dans l'infrastructure, le premier élément fondamental là pour une stabilité politique. Il y a une stabilité politique, il va venir la caille. Nous qui vient l'argent, nous allons l'autre côté qui a une stabilité politique. Deuxième bagaille là, il faut créer les conditions pour que les compagnies viennent investir dans le pays.
ou même comme jeune là, capteur de radio, pour qu'on comprenne ça m'a dit là, monter sur internet là, à Google on va dire les doing business report, à l'éduquer son journal en anglais, on l'a pour un anglais qui veut dire qui j'aime on a fait business à travers le monde. Il y a 192 pays sous la terre, chaque pays ça a eu, a essayé créer conditions qui favorables à l'investissement. Pays qui vient pour conditions pour venir investir, c'est là dans les étrangers débarquer venir investir pour créer travail, pour créer compagnie. Donc je vous dis, à ce qu'a voulu dire pour nous, créer un environnement favorable à l'investissement. Et ou même là, énorme. Dans la diaspora, oui. Sous les sens de ce domaine, vous avez fait business, vous avez enregistré compagnie, il y a tout papier qu'on a besoin en 48 heures. Allez dire en 2 jours, maximum 3 jours. Mm-hmm. On répète le bout encore énorme. Vous sautez là dans la diaspora, vous descendez de Santo Domingo, vous dites, mais tel business qu'on voulait faire, en 3 jours, l'État boit tout papier qu'on a besoin pour faire business. En Haïti, il doit 1 an. Il y a des gourmets pour gourmets pour faire le papier en 1 an. C'est-à-dire. C'est-à-dire au même au position soit gain bon côté président République là et bien entendu comme nous gain pour nous capable présenter et sans premier jour président Jovenel Yoto laisse à d'autres souhaiter gain encore et leur bon côté président là ou là tout pour capable aider lui et m'connon gain capable et m'connon gain bagage pour ça mais même m'connon pas même j'aime ou pas j'aime rentrer en Haïti mais comment pour aider le vraiment vrai et d'une manière concrète pour faire tout ça. Et là, on vient quand on pose une question ça. Oui, mon monde qui résonne comme ça, c'est dans le 19e siècle. Mon qui résonne comme ça, c'est dans le 19e siècle. Je dis à qui est le business qui est influent en Chine, qui a des milliards et des milliards. Des centaines de milliards investis à travers le monde. Goldman Sachs, mon Goldman Sachs, ça va chiter en Chine. Et pourtant, à travers l'investissement que Goldman Sachs gagne en Chine, il y a des millions de Chinois qui travaillent dans la femme Goldman Sachs. Mais si Goldman Sachs a l'armée en Chine, non, et là, New York, les Chitari. Allez, il y a où le monde qui a réfléchi, qui ont fait ses loyers pour parler, le monde qui a eu un petit jeu en 21e siècle, pour Dieu. Pour nous avons investi, nous avons travaillé ça, il y a deux aspects. Un aspect, à chercher les gens qui ont l'argent pour faire débarquer dans le pays, dans ce sens-là, on fait des milliards, des millionnaires qui ont commencé à contacter, et il y a un gros business avec le monde. Par exemple, on a eu un contacté là, il y a 2 milliards de dollars américains investis dans le tourisme à travers le monde. Voilà, organiser une visite pour faire débarquer dans le pays d'Haïti, pour moi, je suis venu faire dans tout le pays d'Haïti. Mais là, ça fait mal chez nous, non? Pour que dans l'État, on sait des changements qui fait que vingt investissements dans le pays. Ah, mais même pas dans le monde, moi, c'est pour ça, moi-même, l'aime pas faire la bombe d'un président. Ma vie, président, j'ai des gens dans l'État qui font travail. Alors, je dis que pour les gens qui viennent investir, pour que les gens qui disent que c'est centre de participation des investissements, mon cher, ou tellement abondant, son l'autre là pour nous guérir pour ça, parce que assez, c'est même assez à dans l'émission ça dossier tout consacré les pour ça jour dans le champion. Mais surtout, Jacques Henry. Oui. Énorme, pour ça. Vous allez dire que pour investissement, on vient débarquer dans le pays, il faut créer conditions dedans le pays. Quand ça veut dire créer conditions. Par exemple, moi, le ministre de l'Agriculture, moi, le ministre touriste, pour demander, madame la ministre, qui projet pour gagner, qui est venu investir là-dedans. Parce que pour que mon avis investi, pour chaque ministre, bon projet, même j'en trouve énorme, ou même dans la diaspora, comme diaspora, souvent, ils ont besoin d'investir pour les ou dit, maintenant, qui domaine, on dit, c'est dans l'infrastructure pour les investir. Après les ministères républicains, vous me dites, monsieur le ministre, et des diasporas besoin d'investir dans l'infrastructure, qui sont gagnés comme projet d'investissement. Par exemple, nous avons connecté, président, car il a construit 3 centrales de 200 MW ou bien 2 centrales de 300 MW. On commence à travailler, nous regarder
petits investisseurs à travers le monde qui t'a aimé venir investir pour construire 3 usines de 100 MW et qui condition que l'investisseur a besoin ou investisseur a besoin pour venir construire 3 usines de 100 MW. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Jusqu'à présent, je parle avec vous là, investisseur, non? Vous pouvez entrer dans. Et coopération externe ou bien politique étrangère. Eh bien, c'est ça que fait un dossier en émission spéciale, c'est non, on l'autre là pour nous inviter spécialement. Non, mais. On est capable de parler de ça. Je vous dis, mon frère, c'était pour nous faire. Même pour moi, nous allons frapper là, c'était qu'à vous faire. En tout cas, et avant même, nous prenons une petite pause pour nous rentrer dans le sujet. Mais avant ça, je vais Jacques-Henri qui a eu un bagage qui voulait ajouter. Alors, Stanley, je salue encore, donc, c'est Jacques. Moi, pas ta pose aux questions, frère, nous pose là, dans le même sens, là. Peut-être que c'est même idée, même ta parole dit, parce que, ou parfaitement bien raison, avec le monde de la technologie, bah, quoi, on a besoin de déplacer, et pour utile pays, ou comment ça me dit, mais, cependant, combat est extrêmement important, même leur pas souterrain, hein, l'état important au niveau de coopération pour ta, parce que pour souguer, hein, c'est bon, bah, est facile que lié. Leur pas est de investisseur pour venir investir dans nos pays, qu'on pas qu'être garanti, mon n'a besoin de gagner. C'est pas moi qui va apprendre ça. Et, par exemple, si non, mais, regardez, c'est la première fois qu'il m'a fait travail ça à travers le monde. Bon, ça me fait douleur. Il a monté à matériel, une position, son bagage. Il dit que l'autre mission d'investissement, que ça veut dire préparation de la mission d'investissement. Yeah. Il dit que si c'est une mission d'investissement dans le domaine du tourisme, il faut me garantir que le directeur des cabinets président au courant, il faut me garantir que le ministre du tourisme là au courant, il faut me garantir que le centre de facilitation des investissements au courant, en même temps, tout, il faut me garantir que dans deux chambres de commerce, là, pays d'Haïti, monde qui est intéressé dans le tourisme, qui permet de faire merger avec compagnie étrangère, par exemple, il y a des gens en Haïti qui investissent dans le tourisme, qui ont des plages, qui permet que ils investissent en commun avec leur compagnie pour faire plus d'argent, pour compagnie en faire l'argent, tout. Donc, dans le cadre et en mission d'investissement dans le domaine du tourisme, premier bagage que vous faites, vous contactez les gens concernés, vous définir un agenda. Qui le monde a rencontré le ministre touriste, qui l'a rencontré le secteur privé haïtien, qui l'a rencontré le secteur cabinet président, s'il le faut le président de la République, qui le monde a souterrain pour la loi plage, pour la loi potentiel qui existait dans le nord-ouest, potentiel qui existait dans le nord, potentiel qui existait dans la côte des Arcadins, potentiel qui est différent tout, qui existait dans la ravine du sud, et puis, et des côtés, par exemple, sur la côte des Arcadins, okay. Tout ça va planifier. Mon gouvernement capable de déplacer avec mon tout côté pour aller. C'est ministre touriste avec conseiller ou quelqu'un. Pour le monde débarquer sous terrain, depuis le débarquer à l'aéroport jusqu'à ce qu'il aille, tout ça va planifier de A à Z. Stanley Lucas, et bien content de mentionner la question plage là, je me rappelle que la coopération n'est pas seulement avec. Là, on ne parle pas de coopération, non? Je ne parle pas de coopération. Alors, bonsoir, Frère Enoch, bonsoir, Frère Janvier, et un salut spécial à Stanley. Moi, c'est un privilège, moi, je suis capable, même si je ne suis pas en face à Fracou, mais c'est un privilège, je suis capable de contacter avec vous. Et ma foi, elle est dans même signé avec Frère Janvier. Nous n'avons plus de personnes comme ça en Haïti, parce que nous n'avons pas de la cohabitation. Je suis obligé de même idéologique avec vous. Si vous possédez des matières, vous connaissez soit pas bien. Moi-même supposé gagner des faits et des données pour me contrôler carré vidéo. Et nous avons un pile à essayer exactement que la cache, surtout dans le métier de journalisme en Haïti. On n'a pas gagné des arguments. Autant de l'ensemble. Ok. Alors? Je vais parler maintenant.
nous disons nous parler, nous saluons d'abord et nous parler dans la même ligne avec Frère Gentil, que nous besoin plus d'hommes comme ça qui a fait ça dans la cohabitation et civilité. Et c'est ça qui manquait la caille, nous. Nous trop émotionnels. Des fois, mon accusé, Stanley Lucas, il appartenait à tel groupe. Quand il y a six gars, on dit qu'on a Stanley Lucas, ça vient à la radio. Il dit donc, pas attendu parce que monsieur appartenait à tel groupe. Venez avec des arguments contrecarrés, arguments que Stanley Lucas dit. Parce que monsieur possédait matière, lui. Donc, venez avec des arguments convaincants pour qu'on fasse face à ce travail. Donc, c'est un plaisir pour nous gagner après-midi. Et nous souhaitons que nous recentrions le sujet sur l'instant, premier jour de choc. Bien que nous ne pouvons pas parler des États-Unis sans ne pas parler d'Haïti. Parce que sentiment Haïti a tellement la caille, nous ne sommes pas capables de parler de lui. Ça ne pas faire allusion. Donc, on m'a raccroché et puis nous allons continuer dans l'eau. Eh bien, ok, merci. Merci, Frère Jeanne. Et puis, et rester n'importe l'heure où senti ça nécessaire, n'a toujours capable de faire signe et puis nous-mêmes n'a pas toujours et font gens pour nous capables et bah où la parole. Eh bien mes amis, nous gagnons les 100 premiers jours du président Donald Trump et sous à la Maison Blanche et président Donald Trump qui samedi a te gain et samedi que 29 avril là et ben 2017 là et bien monsieur et te atteint 100 premiers jours que le gain dans au niveau de parler et de la Maison Blanche et pendant 3 ans ça monsieur fait tout ça le capable pour lui capable imposer idée par lui et pour lui capable et bien ouais dans qui mesure il était capable accoucher eh bien et toute promesse qu'elle était faite pendant campagne électorale là eh bien pour un pile monde et c'est fait il dit que monsieur fait succès mais gain l'autre monde même qui dit bon et qui sont déception et pour l'autre en pile l'autre même il dit bon et mon cher et ça c'est un mépris et total. Alors, et c'est ça nous pour le aujourd'hui, tant sur le plan du point de vue de promesse campagne Monsieur Téphane à qui niveau lié et du point de vue économique et politique étrangère et du point de vue de et surtout et question remplacer Obamacare au niveau de économie qui ça est Monsieur Té dit il pourra le faire America riche encore. Il pourra le faire America respecter encore du point de vue de la diplomatie et monsieur gon gros Mirail et qui puis gros nèg passé Mirail Jericho qu'elle t'a doué et fait et construit pour empêcher que et immigrés ou bien immigrants yo traversé et sorti et principalement à Mexique pour yo capable rentrer et bien en territoire États-Unis. Et monsieur tout ça tout qui sans papier monsieur te gain et monsieur te fait promesse à moun qui t'a supporté la campagne électorale li que l'état pral basculer au côté yo te sorti et mais jusqu'à présent et tant du point de vue et monsieur prend pouvoir des États-Unis tout il fait tout presque un bagage familial côté que des problèmes et conflit d'intérêt tout que y a parlé de lui donc tout ça yo c'est bagage que nous pral et analyser ensemble et avec expert nous qui invité nous après-midi à émission ça et Stanley et nous Stanley maître Romel Jean-Louis tout qui était intervenu m'a pas ou pas entendu lui et c'est son seul petit garçon maître Messen Jean-Louis. Et c'est monsieur chaque mardi tout il est toujours avec nous dans émission c'est monsieur qui t'est premier parlé et captain de nous tout et monsieur t'est dit pour il était chargé nous pour nous t'est capable saluer et très cordialement pour lui et nous saluons tout elle monsieur du côté de la Floride mais et émission ça c'est émission par monsieur Lier et me connaît où c'est yon dans ami famille là tout et c'est ça qui fait tout et me fait une particularité ça et qui et est-ce que qui compte ta vle pour nous aborder qui prend ta part tout à remettre nous aborder d'abord.
c'est un moment qui est compliqué, non, ça. Moi-même, après aller, je dis, nous allons mettre là tout. Mm-hmm. Donc, bon, et ça veut dire que soit banaliser, c'est un jour trop blanc bon ici, hein, et c'est pas banal ou à regarder. Premier bagage là, mon qui pour yo, deuxième bagage là, mon qui compte yo, et troisième bagage là, qui ça peut représenter intérêt haïtien dans le débat politique, ça va être aux États-Unis. Et pour mon compte yo, je dois consacrer. Et il y a rien de sous républicain parce qu'il y a des gens pour remplacer Obama et mettre de côté au Paris. Et pour mon rien de sous Trumpio, il y a une chargement de décision dans l'immigration, il y a plusieurs juges fédéraux aux États-Unis qui cassent parce qu'ils mettent un haut là dans toute décision qu'il a prise dans l'immigration. Donc ça veut dire que les gens qui comptent Trumpio, particulièrement qui n'ont pas de démocrate là, donc il y a une politique qui a fait. Non seulement pour montrer que M. Baka dirige dans l'échec qu'il prend dans Obamacare, dans l'échec qu'il prend dans l'immigration, dans les affaires soi-disant qu'il connectait avec la Syrie, avec la Russie, pardon, il a essayé de garder. Parce que l'affaire politique, l'on va attaquer en politique, c'est pour faire élection pour préparer. Elle dit que les démocrates ont une élection là, ils vont faire face à lui-même dans deux ans là. Pour gagner l'élection, c'est dans l'attaque qu'on fait. Ou créer un petit tour, ou faire petit tour à tout non fenêtre, ou faire fenêtre pour pop dans l'attaque. Souris, si fait ça, c'est ou qu'a gagné prochaine élection. Donc c'est dans ce sens-là que les démocrates eux-mêmes, chaque jour levé, il y a montré qu'ils ne sont pas capables. Pour la source de la République incroyable, vous pouvez le constater, bon, c'est la première fois depuis 1881 qu'un président des États-Unis, en moins de 100 jours, il s'est mis en juge dans la Cour suprême des États-Unis. Et sous mon propre plan, je me suis montré que les États-Unis ne sont pas rien de à mon encore, parce que vous avez 60 gros missiles là, sous la Syrie, pour montrer qu'ils ne sont pas rien de et à gonfler pour y être devant la Corée du Nord qui dit qu'il va. Mais ça qui est important. Sous notre tout, je me dis, mais 34 législations qui ont passé, une là-dedans, par exemple, comment pour garantir que anciens militaires qui ont les vétérans aux États-Unis, qui a accès à meilleurs soins de santé. Donc, débat ça a coué là, sous 100 juin, son débat qui fait commencer, et son débat qui va augmenter en intensité, plus soit rapproché des élections qui va le faire dans deux ans, de l'État aux États-Unis, midterm elections. Donc, c'est ça qui a parlé là. Ça a été deux premiers points. Troisième point, moi-même, qui est le point qui est intéressé maintenant, c'est qui s'inquiète nous en tant qu'Haïtiens ici aux États-Unis, par rapport à la présidence de Trump. Le Trump, comme candidat, te descend dans Florida, dans la Little Haïti, pour la rencontrer communauté haïtienne, non? Trump, comme candidat, te dit, haïtien américain, yo, le plus gros champion que nous pas jamais gagné. Premier intérêt que nous gagnons là, qui sous béton en roulia, c'est TPS là. Il y a 70 000 haïtiens qui besoin de TPS. Tout le monde connaît, en 2010, après tremblement de terre, Goumen qui nous démène à Washington, pour que 70 000 haïtiens qui partent papier aux États-Unis, que viennent jouer un papier TPS plan qui permet de travailler et voyager. Mais c'est le bagage, son TPS plan renouvelé chaque année. Donc, renouvellement va venir très bientôt là. Et c'est pour ça nous-mêmes, nous avons une campagne qui nous mené dans le lobby que nous faisons dans Washington, dans le congrès américain, qui permet de nous joindre l'ex-nommé sénateur républicain tant que démocrate, qui permet de nous joindre l'ex-nommé député américain républicain tant que démocrate. Nous avons un grand monde par nous dans le congrès qui est haïtien-américain. Nous avons mis à l'homme son congrès roumain haïtien-américain qui sorti et Utah. Nous lié qu'on l'aide pour nous, belle lettre de la décision Trump pour dit en prix, renouveler TPS. Donc, allez-y, qu'il y a une série de boutons qui nous pesent. En même temps, tout, nous avons une campagne publique qui nous fait sur Facebook, sur Twitter et la trier dans l'émission radio que nous faisons aux États-Unis. Pour essayer de convaincre l'administration pour garantir que 70 000 haïtiens qui viennent TPS là pour renouveler. Parce que s'ils ne pas renouveler, c'est une catastrophe que lié pour nous. Catastrophe par rapport à 70 000 haïtiens qui avaient le déporté s'ils ne pas renouveler. Et catastrophe tout par rapport à transfert l'argent de les États-Unis à Haïti. Nous transférons qu'il y a 2 milliards 358 millions de dollars américains par année. Si les gens qui viennent TPS au Brésil, il va descendre probablement aux environs de 1,8 milliard, 1,8 milliard de dollars au lieu de 2 milliards 358 millions.
Donc ça est le premier dossier qui est important pour la communauté. Et c'est pour ça nous-mêmes, dans 100 jours, nous avons gommé pour garantir pour jusqu'à présent s'il a renouvelé. Malheureusement, le directeur immigration provisoire qui l'a pas jamais renouvelé. Mais aux États-Unis, dernier bouton, c'est le président qui vous pèse. Donc nous-mêmes, nous avons fait toutes les démarches qui sont possibles via Ivan Catron, via petite et beau fils Donald Trump qui est le Kouchner, Jared Kouchner, via président Trump directement, via chef de cabinet président Trump, nous avons un paquet de démarches qui nous avons fait là pour nous si nous avons un résultat. Malheureusement, Fomdou, mon petit Jean déçu, moi déçu particulièrement de pasteurs, parce que nous avons besoin à peu près 1500 pasteurs qui sont baptistes, qui sont adventistes, qui sont protestants. Pour si on l'est pour vous et le président Trump, malheureusement, jusqu'à présent, je parle avec vous là, c'est à peu près 200 pasteurs seulement qui répondent, alors que ici aux États-Unis, il y a au moins 5200 pasteurs haïtiens, alors que nous devons un petit lettre côté 1700 pasteurs signés. Donc, vous mettez ça en a continué, donc même sans jouer avec Samueli, je suis bon l'idée me souligner. Oui, ça c'est vraiment on sommaire qu'on fait, c'est vraiment on brainstorming. Mais quand même que je pense qu'il y a plusieurs questions qui sont nécessaires et qui que nous pourrions poser ou étant donné que nous connons au de ces jours pendant très bon temps et ici aux États-Unis et nous connaissons ou gain plus penchant pour les républicains que les démocrates et ça c'est pas ça non, qui moi-même ça... pas américain pour américain non c'est pas ça me dit comme un citoyen du monde tout non tout non c'est pas parce que me dois américain oui non permettez-moi de corriger son dialecte il pas factuel pour corriger pour me donner mon préférence aux États-Unis entre républicain et démocrate pour me donner américain Non, c'est pas samedi. C'est pas samedi, Stanley. Non, Stanley, on dit vu. Non, États-Unis, c'est tout le monde. Non, écoutez, c'est tout le monde dans le monde qui est intéressé, excusez. C'est tout le monde dans le monde qui est intéressé par la politique américaine. Et c'est même genre, et Brésil avec Argentine, nous avons gagné un monde qui n'est pas Argentin, qui est Brésilien, mais qui a gagné un équipe le plus. Nous avons une communauté qui a demandé nous là, pour nous factuel dans sa nation par rapport à la communauté. Si nous avons un Américain qui a voté aux États-Unis, nous avons une préférence, ça n'a pas de problème là. Même pas Américain, donc nous n'avons pas voté ni démocrate ni républicain. Comme nous tout que. Plusieurs fois, il y a un gros politicien américain, républicain, qui te dit, mon cher, pour ce qu'on naturalise, parce que si on naturalise, il va voué comme congressman dans la zone Georgia. Et même si ça va intéresser, moi-même, je vais m'apprêter à Haïtien, je vais faire Haïtien. Ou on a fait tout, non? Pas de doute, non? Si on a fait Haïti, qui tendance politique, moi-même, nous sommes politiquement, je suis du centre-droit. Ou on a fait tout, non? Yeah. Et bien, c'est ça que fait m'dou, en plusieurs mondes, et par rapport surtout à Iri, il y a plusieurs mondes qui essaient peut-être ça, et au plus approché. Non, mais monde qui pas connaît, non. Et bien, c'est une opportunité qu'on gagne, tout dit ça, et puis, bébé, il y a plus monde qui plus, par rapport à Iri, il y a plus monde qui. Regardez, bon, c'est des mondes qui pas connaît, les ou pas connaît, frère, vous m'en dites, ça, Iri, il y a trois grandes institutions aux États-Unis, de promotion de la démocratie à travers le monde. Il y a un qui est les IRI, il y a un qui est les NDI, on l'aide les NET, NED. Institution Sayo, je travaille dans le monde pour promouvoir la démocratie. Mais il n'y a pas aucune affiliation directe à parti politique ici aux États-Unis. Il y en a des gens qui parlent à l'école, qui ne parlent pas de l'école, ils disent ça, mais en réalité, c'est qu'il n'y a pas aucune affiliation politique. Yeah, ok. Nous gen Jacques qui gon question ou bien gon intervention sur ce qu'on dit. OK Stanley, c'est Jacques donc même le ou pas d'accord que ou pas américain et nous d'accord ou pas gen aucune affinité politique. Nous d'accord tout. Cependant songe m'te di dans début émission ou son moun mwen tande en pile, ça veut dire gain deux bagages moins retenu que on dit avant élection américaine si
si moi-même moi t'ap choisi mettre dans parti politique, n'ap mettre beaucoup de champ parce que ou pas dans Clinton dans même. Ça est l'éclair dans toute intervention ou pas montrer son monde qui a marché avec les Clinton. Ça pas veut dire c'est Donald Trump non, même de moi-même si m't'ap choisi, m't'ai qu'à plus quoi que ou du côté de Donald Trump. Ça c'est ça m't'ap pensé moi-même. Comment rectifier ça, m'd'accord. Eh bien, oui. Non, ça veut dire que si moi-même, je suis américain, le ça, ici aux États-Unis, ou probablement, ça me joint moins, dans la partie modérée, partie républicaine, parce que pour ma vie, la partie républicaine, gagne 4 franges, et la partie démocrate, là, gagne 5 franges. La partie démocrate, là, gagne franges, qui totalement à gauche, là, net, pour Bernie Sanders, jusqu'à démocrate contingent conservateur, cours ou les mon Louisiana ou bien mon qui sorti dans le sud des États-Unis. La partie républicaine, bien quatre blanches qui néo-conservateurs jusqu'à et républicain libéral de John McCain. Ouais. Donc moi-même, vous avez besoin probablement d'un américain, dans la branche modérée, partie républicaine. Ouais. Oh, ok, m'gon l'autre question pour vous, et Stanley, qui lié à position ou tempérament, bien personnalité ou que nous respectons, qui t'a plus penché vers les républicains, même le ou du pas américain pas ça. Est-ce que qu'on y a là, position ça ou gagné, qu'a servi le gouvernement haïtien, est-ce que le papa a une influence sous tempérament par rapport à son abdia? Parce que nous connaissons les républicains, ils facilitent plus le secteur privé. Hein, les grands commerçants, est-ce que population qui attend un bagage qui vraiment bénéfique de la part de Stanley Lucas qui t'a censé plus de tempérament bon dans le pays d'Haïti, il n'y a aucun républicain, je ne sais pas qui soit là. Non, je ne sais pas républicain, non. Non, mais c'est ça aussi. Non, je ne sais pas républicain. Il faut faire attention. Ou un tempérament qui penche plus bon côté républicain. Ou c'est yon, qui sont spécialistes. Non, mon cher, pas de bagage qui soit bien. Allez, parce que, ou font brouiller la technique là, font corriger le groupe. C'est pour ça que la discussion est importante. Allez, dit que soit le pays d'Haïti, ou à fond approche des idéologies politiques contemporaines, sous échiquier politique pays d'Haïti. Moi-même, par exemple, souvent, mon concours et Edmond Bozil, son social-démocrate qui est lié, son socialiste, donc centre-gauche qui est lié. Souvent, mon donc moi-même, c'est centre-droit qui est lié, avec des gens qui sont plus conservateurs. Donc, avec des gens qui sont dans le marché libre, qui sont dans une défense très forte pour le pays, là, quand même, conseil des bagailles, en fonction de l'idéologie politique. Malheureusement, dans le pays d'Haïti, manquer parti politique qui a une idéologie là-dedans. C'est peut-être une, deux, maximum trois partis politiques qui ont une idéologie. Et il y a un plus gros problème que nous avons dans le pays d'Haïti au niveau idéologique. L'idéologie dominante en Haïti, c'est le populisme. Et c'est pour ça que la discussion politique ça, est très important pour nous faire démarcation de ça. Et les idéologies politiques contemporaines et divers types d'idéologies qui existent et qui est dans l'idéologie ça que nous rejoignent sous échiquier politique pays d'Haïti. Malheureusement, le pays d'Haïti n'a pas de parti de droite, par exemple. Ici, aux États-Unis, bon parti de droite, bon parti de centre-gauche. Parti de droite, là, c'est républicain. Et parti de gauche, là, c'est démocrate, là. Mais l'ordre dans le pays d'Haïti, pas grand parti de droite en Haïti, ça va exister. Non, mais elle va exister, oui, Stanley. Mais ça va vous dire que tout cela va là. Il y a tout le bagage en Haïti, mais ça sont l'autre bagage. Oui, c'est correct là. Oui, c'est correct. Avec des questions. Non, il y a deux mondes qui parlent dans le pays d'Haïti, là où parlent, où est-ce que il y a deux tendances centre-droit. Mais malheureusement, dans le pays d'Haïti, il n'y a pas jamais organisé un parti de droite pour que tout le monde qui est tendance d'ailleurs. Et tendance droite là, eh bien, ils regroupent dans un parti politique. En général, on monde qui est à droite, il croit dans le marché, il croit dans les investissements. On sait des bagailles qu'il croit là-dedans. Malheureusement, dans le pays d'Haïti, pourquoi on parti de droite?
En tout cas, et nous-mêmes, nous pas centre émission ni sous Haïti, mais nous gagnons plusieurs autres questions, nous pourrions poser surtout qui gagnent rapport à fonctionnement Donald Trump et comme président des États-Unis, et mais surtout pendant et trimestre que l'y passé et notre tête et pouvoir états-unien à la Maison Blanche. Mais en attendant, comme vini à l'autre question, m'gain et Fréjean qui souligne. Fréjean? Monsieur Sandler, soit dans les clairs. Là, vous êtes OK, c'est juste pour toucher à la question. Il paraît que la question est dans la formulation de l'opinion perdue en Amérique. Vous connaissez mieux que moi que la neutralité, ça n'existe pas. Et si que journalistique fait que, en tant que journaliste, ou pas qu'à montrer qu'on appartient ni à démocrate, ni à républicain. Mais le monde qui compte faire politique bien, il est capable de lire à travers, soit faire analyse, soit faire le cas d'une tendance. Donc ça n'a pas existé la neutralité. Au niveau historien, les supports sociaux. Non, mais dans votre émotion, là. Ah, c'est vrai. Nous parlons sans question. Non, non, non. Nous parlons sans question. Parce qu'il y a trait avec la Russie, nous avons une déclaration que je fais, déclaration de qu'on fait vis-à-vis de Poutine avant, et déclaration c'est avec Kounia, l'Elfine président, après attaque que Phil fait sur la Syrie. Concernant l'attaque, ça, monsieur Teddy, c'est pas la seule raison que Obama, le président Obama, n'a pas attaqué Russie pour attaquer la Syrie, c'est pour être capable de sauver la face au sujet de Santarello, affirmation de Sanrele. Ligne droite, ligne rouge là. Ils sont en information idiote. Et nous, ouais, même Trump, ça, c'est lui qui a frappé la Syrie. Au niveau diplomatique, est-ce que pas grand revirement qui fait en ce qui a trait à la Russie, la Chine et l'OTAN? Et là, on va parler de conception que M. Gagnon, que lui-même, il n'est pas président le monde, il c'est président des États-Unis et on va parler de instinct de conservation que monsieur lui-même l'a prôné tout au long campagne là. C'est-à-dire l'homme qui est au campagne là, c'est pas l'homme qui en quoi là, c'est ça que je dis, c'est pas bon, c'est bon Dieu seulement avec les imbéciles qui va changer. Eh ben t'aimes complète question à vous. Qui gens monsieur Stanley, ouais, gouvernement ça au niveau diplomatique. Et oui, monsieur Stanley m'a complété question frère Jean et Donald Trump sans premier jour et promesse tenue et revirement ou bien revers comment est ça? Bon, moi-même comme résumé la femme de tout à l'heure, je trouve ça que vous m'avez fait la politique américaine la journée aujourd'hui et en Donald Trump avec démocratie c'est l'élection de 2 ans dans quelque soit CGA qui préparé. Et bon côté républicain, il ne faut pas oublier, dans les âmes d'où on s'arrête, dans le parti républicain, il y a 4 franges, 2 franges néo-conservateurs jusqu'à blanche qui est libérale. Il faut que M. K. unifie le parti. Vous avez remarqué que les qui sont conservateurs, ils réunissent un groupe qui est le Freedom Caucus. C'est eux-mêmes qui sont d'accord, Jean-Pompe, veut faire réforme. Et santé à qu'il t'avait fait. Et c'est pour ça qu'il a laissé rejoindre votre là. Pendant trois fois, il n'y a pas rejoindre votre. Malgré qu'il y ait majorité dans deux chambres. Donc ça montre que le président des États-Unis et co-président démocrate, co-président républicain, il y a une première priorité pour gagner en tant que président des États-Unis, sous besoin que l'agenda a passé, pour unifier parti là dans son affaire. Donc dans quatre plans, il y a un bagage qui bloque, c'est qu'il n'a pas unifié le parti républicain dans le cadre de réforme de santé. Il y a même à l'ouest démocratique qui oppose à lui-même, dans le propre parti, il y a des problèmes dans le niveau de ça. Et c'est pour ça, ou après que c'est même ça, il s'est commencé à changer le langage, il dit qu'il parlait pour la gourmet à républicain qui sortit pour bloquer la réforme de la santé qu'il a fait. Et c'est pour ça, la politique américaine, en matière d'analyse au niveau académique, et au niveau analytique, son phénomène qui est toujours attrayant
doit garder dynamique politique ici dans Washington pour observer d'une part dynamique de parti républicain en quatre branches qui existent et puis dans deuxième temps parce que gon lutte hégémonique en quatre branches ça et en deuxième temps groupe qui existait tout entre démocrates en fonction de qui côté au sorti et finalement groupe et affrontement qui vient entre les deux partis. Dans ce sens, ça m'a dit que le Parti démocrate a plus de discipline que le Parti républicain. Mm-hmm. Et avant même moi enchaîner et moi gagne au combat que t'as dit Stanley ça partir attention le Donald Trump choisi fêter son premier julio en dehors de Maison Blanche côté que les bon sont en conforme de protocole bah médias et avec tout le monde qui t'attend dans Maison Blanche. Est-ce que ça peut attirer l'attention le fait que Donald Trump, pour la première fois arrivé aux États-Unis, décide pas fêter son premier jour là dans la Maison Blanche? Ok, est-ce que ça peut attirer l'attention le Donald Trump choisi pour la première fois arrivé aux États-Unis à le fêter son premier jour en dehors de Maison Blanche? Non, chaque président des États-Unis est styliste. Ça veut dire que soit regardé dans l'histoire des États-Unis, quel républicain, quel démocrate, chaque président est styliste. Et c'est ça qui vient dans chaque démocratie. Et soit comparé à la caille. La caille, non. Aristide est styliste, Préval est styliste, Matéli est styliste, Jovenel Moïse est styliste, Donald Trump est styliste, Barack Obama, bon, l'autre style qui est différent, George Bush, Pitt, est style, George Bush, papa, bon style différent, Jimmy Carter, Ronald Reagan, chaque style. Donc, la Maison Blanche prend des orientations et des formes en fonction de mon président et de style mon, pas style Donald Trump. Ok, et oui, d'accord, sous question style là. Et bon OK ça pas gagne trop problème mais c'est goût même monsieur toujours fait avec la presse là elle toujours goût à la presse et non, la presse. Mais et non ça sur l'autre partie démocratie ouais mais démocratie comportement normal la presse avec le pouvoir son comportement d'adversaire que la presse y est toujours dans démocratie on remarque que presse là ici a il est toujours affiché sénateur ou bien député républicain démocrate ou bien gouverneur républicain d'un coup démocrate qui pas fait ça pas ça pour casser les rêves parce que là la presse a marqué point même j'en tout la presse toujours essayer casser le président c'est deux journalistes Washington Post qui casseraient et président Nixon ici aux États-Unis mais on pas pense on pas pense pour président Trump c'est lui-même qui a cassé un pal parce que c'est déclaration monsieur prend pour capable on pose une question on va quitter une réponse oui on met continuer donc ça veut dire que Trump lui-même depuis qu'il est candidat la presse a essayé casser un pour David président parce que la presse c'est voulu faire Hillary Clinton président. Même j'en tourne dans le pays là, car nous en 1990, c'est la presse qui fait, et Jean-Bernard Aristide président. C'est même presse ça en Haïti qui passe de Matéli président. Vous songez pendant la campagne, Jean Matéli, t'es gourmand avec Dali Valek, t'as fait ses cassés un long débat. C'est même pas dans la politique. Hein. C'est toute démocratie ou même ça. Après, dans le reportage que la presse t'a fait, même si ouais ça parce que depuis que c'est un candidat la presse a il s'est pas fait deux jours il s'est implosé et puis mais il ouais que malgré qu'il a pratiqué Boiseli il faut moyen caler 16 ou 17 candidats dans le parti républicain pour venir remporter nomination il a l'air de remporter nomination parti républicain la presse décide que c'est pas monsieur qui est président malgré toute projection qui fait la presse même nous ça la presse démentibile monsieur c'est un président quand même. Pour y aller, c'est un président pour y aller, la presse décide que monsieur n'est pas réussi comme président. Et c'est pour ça que ça nous fait faire, monsieur vient créer un bagage qui est les fake news. Alors, c'est où bon, la presse a boumé. C'est ça que belle la démocratie a eu. Où bon, la presse a boumé pour déprimer trop, bon, parle trop, a boumé pour montrer que la presse a fait fake news. On va que nous tous devons regarder. Et bon, ici,
mais malheureusement excusez-moi ici à remarquer c'est un combat d'arguments qui lié sur internet là dans télévision dans radio sur Facebook sur Twitter et l'adrien tandis que la caille les rapports ça Bouillon Petit la ville Bouillon Lendon Jean-Dominique Petit la ville Jacques Roche Petit la ville bon série de journalistes qui a crasé Zoyo. Et qui bel Boïsien, c'est que journaliste pas menacé Boïsien, pas aucun la police, aucune force politique qui a essayé de tuer journaliste. Bon, ça, je suis capable d'accord avec vous dans point ça, parce que, regardez, et puis fort journaliste qui a critiqué Tchompio, c'est dans le palais national même, yo fait basio. Donc, c'est-à-dire, il y a pile journaliste qui yo même attaché même à la Maison Blanche. Alors, et non, il y a une belle bagaille qui est à suivre. Regardez, c'est l'égain qui a eu les conférences de presse, porte-parole président, qui a eu les aux États-Unis, press secretary. Yeah. Donc, regardez, c'est un plus bel exercice politique, ou même comme jeune qui a écouté la radio, l'on titan en général, et conférence de presse a toujours fait entre 11h30 et midi et demi. C'est un plus bel exercice politique qu'on a fait comme jeune. Tous sont jeunes qui avaient dit des sciences politiques pour regarder qui gère la presse. J'en ai bien structuré les questions. Il y avait ces piégés et porte-parole président. Et porte-parole président lui-même, j'en ai bien préparé, que le tout Obama, que le tout Trump. J'en ai bien préparé pour répondre. Et le son que n'a pas essayé de tirer de sa map là, c'est que dans la démocratie, qu'on pouvoir, qu'on a la presse, qu'on a l'opposition, il faut qualifier. Sous pas qualifié, on va pas jouer démocratiquement. Tout le monde qui a la violence, c'est parce qu'on pas qualifié. Eh bien, frère Jeanne, qui sont au Gomba ou t'as pas ajouté sous ça? Ah, on voit comme vraiment apprécié la façon que M. Stanley répond à la question et que je lui ai avec fait. Ou alors même on dit un bagage qui n'est pas correct, mais dit que aucun des auditeurs qui attendent ou et ou là pour former informer. Donc il faut qu'on ait des informations qui sont correctes. Question moi, pour M. Stanley, en tant que monde qui verse dans la politique étrangère, et surtout la politique en général, et les 100 premiers jours, en tant que professeur en sciences politiques, qui prend d'abord, monsieur, l'a gardé dans le domaine qui a trait à la nationale, en provision, ça que se passait de la guerre civile, monsieur, pas donné au correct. Nous sommes venus dans l'affaire étrangère, qu'on pas quelques questions, les a posé, monsieur, pas maîtrisé. Qui prend d'abord, monsieur, dans les 100 premiers jours au niveau de politique nationale et internationale? Belle question. Excusez-moi, vous pouvez répondre, parce que l'idée qu'on s'y est, qu'on fait un bâtiment dans des yeux. Ok. On mettrait pour un. Est-ce que vous avez une clé pour allez moins vite pour moi, vous avez une bien. Étant donné au monde qui verse dans la politique étrangère, spécialement dans la politique en général, de garder président Trump vis-à-vis de informations qui concernaient les politiques nationales, on prend par exemple la guerre civile, M. Baguen donné au correct. Then prend question qui a trait à la politique étrangère, M. Baguen donné au correct. En tant que professeur en sciences politiques, qui prend tabac, monsieur, dans ce sens-là? Bon, et ici aux États-Unis, le premier bail qui est tout un capitaine de radio a déconné. De vous entrer dans le palais national, donc dans la Maison Blanche ici, comme président, pas mettre tête. Et sous garde dernière interview que le président Trump baille les 100 jours l'autre jour là, je nous consacre depuis l'entrée de là, il pas mettre tête. Il n'y a pas de téléphone pour les mounes. Il n'y a pas de machine. Tout ça l'a fait, c'est dit qu'il y a dit, mais qui ça vous fait. C'est comme ça la démocratie a marché. Avec dit que, en dans Maison Blanche, mon structure qui est en dans Maison Blanche. Là. Par exemple, mon, le président levé matin, on va y aller, PDB. PDB en anglais veut dire Presidential Daily Brief. Elle dit que le président levé matin, chef de cabinet a vini, il vient faire déjeuner avec le président. Le déjeuner que le chita vient avec le président, il vient avec PDB. En moins d'une heure de temps, le président connaît pour journée, tout ça qui est important dans les États-Unis et tout le bagage sensible qui est important dans 191 autres pays qui existaient sous la terre. Ça veut dire que
le chef cabinet a vint briefé 192 lot. Premier 15 minutes là, c'est pour chef de cabinet. Chef de cabinet a dit président jodi a tel homme qui nous va rencontrer. Tel homme qui nous va rencontrer. Tel homme qui nous va rencontrer tel heure. Pour y aller 15 minutes ça a fini. Chef de cabinet a fait directeur CIA entré, directeur national intelligence et ministre de la défense avec secrétaire d'état des États-Unis. Et directeur CIA. Moun sa yo yo gen à peu près 15 minutes. En 15 minutes pour journée, je dis président Corée du Nord va faire un test nucléaire probablement jeudi ou demain en Syrie, mais ça n'a pas été Assad en fonction de l'intelligence que nous fait et en Russie soviétique et en fonction de l'intelligence que nous collecter, mais ça n'a pas été comment il aime encore et Vladimir Poutine, président chinois promet qu'il te fera service d'intelligence nous qui a vérifié par rapport à la Corée du Nord. Monsieur fait exactement ça le dédou là. Elle dit que en 20 minutes, le président Guetta connaît tout dossier de politique étrangère et de sécurité nationale qui est important pour lui, mais qui ça pour le faire. Pour aller, vous n'avez pas commencé. Si c'est un événement qu'il pourrait aller, indiquer le président pourrait aller dans le côté de Washington qui est le Heritage Foundation. Pour parler de politique étrangère, c'est vrai là. Donc ça veut dire que s'il va parler de politique étrangère pour vous, trois dossiers qui ont briefé, qui sont plus importants pour aujourd'hui, ils ont préparé un discours pour lui. Le discours qui ont préparé à son discours, il y a au moins 12 personnes qui travaillent sur lui. Je suis un président pour le discours, le président garder pour le salaire, mais ça l'a prétiré, ça l'a quimpé. Et puis il faut qu'il pratique. S'il va faire une interview, bon. Alors, en matière de politique étrangère, doctrine Donald Trump, différent de doctrine Bush, différent de doctrine Obama. L'ont-ils, j'en semblais, mais différent de Ronald Reagan. Parce que doctrine Donald Trump, là, il nous en matière de politique étrangère, il n'y a pas de doute qui s'accroît en tête. C'est l'Elbral fait là, ou après le fait. Par exemple, en Syrie, il n'y a pas si mon en Syrie, c'est ouais, il y a 60 missiles qui auraient en anglais, Tomahawk. Alors, ou même qui étudiant, captain de là, straight for the bottom. Tomahawk. Son missile, qui ont capacité de destruction énorme. Chaque missile, ça a coûté 3 millions de dollars américains. Alors, dit que, pour nous, un exemple, pour qu'on comprenne missile, ça, quand on est là à Washington, nous avons décidé que c'est nos sections communales, la chambre là, qui va là, les missiles. Les missiles là, nous, notre tête, Peter, Peter dit en section communale, pas dit chambre là. Mais moi, bon, pas tant dit, il y a une section communale. Puis, gardez vite et arrêtez-le. Mais si là, il y a une tête li, on carte électronique. On dit, mais si là, c'est pour Washington. Mais si là, on tombe exactement côté où il veut tomber, l'âge de missile là, c'est à peu près 10 mètres qu'il y a. À cause de force explosive qu'il y a là-dedans, même là, elle tombe avec un maximum. À proximité, de objectif la détruit quand même. Donc, ça veut dire que, en matière de politique étrangère, président des États-Unis, ou ensemble d'institutions qui va accompagner la décision. Première institution qui est importante dans la politique étrangère des États-Unis, c'est ça, le NSC. Ça veut dire en anglais, National Security Council. C'est lui-même qui coordonne l'action de l'État, les présidents bah, ont l'autre pour bagarre à le fait. C'est dans NSI qui a fait réunion pour bah, tout ministère l'autre dans 4 salles fait ça, mais on loue en tant que ministère. Deuxième institution importante en matière de politique étrangère, c'est ça a relé le département d'État. Après ça, on va rentrer dans le ministère de la Défense, on va rentrer dans DNI. DNI, là, ça veut dire. Et directeur national de intelligence. Elle dit que toute institution intelligentielle, CIA, intelligence militaire, NSC, NSCA sont institution, pas bon computer, elle pas rentré là-dedans, pas bon téléphone, ni pas rentré là-dedans, ou bien l'achita dans le salon là, quand on regarde la télévision, je servis à la télévision pour tendre, soit dire. Je servis à microwave pour faire carré ou bouler, tout le monde. Alors, il dit que tout jet électronique qui existait, par exemple, soit l'INA Wikileaks
document qui est publié récemment, il montre comment NSA avec CIA a utilisé un paquet de outils comme dans la carrière, tant pour frigidaire, tant pour microwave, tant pour télévision, tant pour téléphone, tout ça gagné comme électronique la carrière, il a pénétré pour servir avec lui sur maison. Donc ça veut dire que les résidents recevront un briefing de, au niveau politique étrangère et au niveau de sécurité nationale. Il y a un président toute option, mais qui s'abagaye là et qui s'abagaye fait. Mm-hmm. C'est pour ça nous-mêmes, si nous devons construire l'État tout bon nous-mêmes en tant que pays d'Haïti, pour que par les nationales structurées. Allez dire que vous ne vous dites pas, ou bon président que les Jovenel Moïse. Allez dire que depuis le président, si nous prêtez seulement président, pas mettre tête lui. Nous qui mettons tête président, c'est directeur de cabinet. C'est le contrôle des structures par les nationales là. Allez dire que le matin, à 7h30, c'est directeur de cabinet qui connaît qui est venu avec lui pour aller faire président. Mais, ça m'a découpé là, Stanley. Mais l'autre jour, il m'a discuté de ça. Jude, comment ça fait pour un voti, même sorti en bas, soit dans le cabinet président ou bien dans n'importe quel ministère, il est sur Facebook et original là sur Facebook. Et est-ce que ça sur l'État? Non, mais et selon loi qui pays d'Haïti, son affaire criminelle qui est liée, elle dit que si devant l'État, en 48 heures, vous jouez une taille, vous mettez dans la prison correctement, c'est une menace de sécurité nationale qui est liée. Absolument. Aux États-Unis. Vous faites bagaille ça aux États-Unis, minimum, vous prenez 14 ans en prison, et un cas plus en fonction des documents. Mm-hmm. Si c'est un document qui n'est pas sensible, vous prenez 14 ans en prison. Si c'est un document qui est sensible, vous passez vie jusqu'à ce qu'on mourir en prison. Donc, ça veut dire que lorsqu'on structure comme ça, par exemple, si je dis à l'aéroport, à inondé, je dis à pendant que je parle avec vous là, vous rentrez dans l'aéroport pour tout le monde. Eh bien, dans le briefing que le président doit gagner demain matin, son chef de cabinet a venu avec le ministère public, directeur aéroport, bien prendre toute information, pour que ça aéroport, qui sont un bail de sécurité nationale et un bail stratégique pour l'économie nationale, pour que ça inondé. Donc, demain matin, le chef de cabinet a parlé avec le président. Pour le président, tout détail pour qu'il s'arrive à inonder, pour ça pas arriver encore. Parce que son bail stratégique pour le pays. Est-ce que ça m'a dit? Non, ça dit, est intéressant. Bon, mais, question te dit, doctrine d'Anno Trump sous question politique étrangère là, et qui a rapport avec sécurité nationale, et question que M. Pape dit ça le préfet. Mais monsieur comment c'est fait plus flexible parce que bah Syria c'était on bah chimico bah chimique qui était tombé sur une série de civils il y a un petit monde même si et puis matériel le tonti gens isolé donc mais quand il y a là monsieur pense était qu'à faire même ça à toi à Corée du Nord mais là monsieur a fait n'a fait gros menace et dit yo même et question et patience stratégique la fini qu'on y a eu même yo pas dans bail ça mais là nèg yo ouais et malgré a fait et yo bail toute mise en garde ça yo ouais et nèg Corée du Nord li pas baisser les Chine li pas baisser pavillon ouais qu'on y a nèg yo obligé à passer par la diplomatie non pas et pas vous monsieur va comme ça bail c'est vous là pour comprendre et c'est faut comprendre doctrine de politique étrangère. Toute doctrine de politique étrangère chita sous deux bagages. Deux poteaux mitants. Et ça, nous te gagne la caille nous tous. Et les conseils de nos pays d'Haïti qui pas étudier, qui pas l'école, et puis ils viennent faire bailler en gendarme, même nous te gagne la caille nous. L'on parle de politique étrangère, il y a deux poteaux mitants pour pas oublier. M'kondo ta vu nana koua quand même. Gade, Jacques Souri, on dit nana koua. Ça est symbolique. Symbolique, par la célèbre. En passé, politique étrangère là, en général, qui t'a sous deux potes au mi-temps. On bon, c'est la politique de la carotte. On le bon, c'est la politique du bâton. Yeah. Dans le pays d'Haïti, doctrine diplomatique, nous avons ça. La politique de la carotte avec Toussaint Louverture, la politique du bâton avec Jean-Jacques Dessalines. Mm-hmm. Et doctrine politique pays d'Haïti, c'est qu'il y a sous trois bagailles. Depuis le nous fait nation. Premier bagaille là, la promotion de la liberté et de la dignité humaine à travers le monde.
deuxième bagage politique étrangère nous. Défense de l'intérêt national nous et de souveraineté nationale nous. Troisième nous, Lucita sous à qui allié nous va le travail pour atteindre l'objectif de politique étrangère. C'est même bagage à les États-Unis après. Les commandes se fait menace bâton, mais la garder si qu'à résoudre avec chaos là. Parce qu'il connaît que le président Corée du Nord a des faiblesses économiques et sociales. En dehors, il y a pile problème parce qu'il y a pile monde qui est dans le grand groupe. C'est pas dans le grand groupe, non. Il y a ça, il y a presque. Il y a dans l'État, ça, américain, il est starving. Exactement. Corée du Nord. Ouais, même militaire, ou pas, genre, ou maigre. Yeah, même. Allez, dit que Corée du Nord, en matière de malnutrition, c'est quoi sur quoi qu'on joue dans plein de lacs dans zone en souche. Donc, allez, dit que, mais il y a une politique qui a appliqué, mais politique à son politique complexe. Allez, dit que, on mort. Qui a chita chinois, pour chinois, bah, Corée du Nord, pression, qui a chinois fait? Chinois qui te commande des coal, ça veut dire une sorte de charbon. En même temps, chinois, c'est l'Ixvon, Corée du Nord, 90% de gazoline, diesel, qu'ils se servent avec lui. On dit, président chinois, mon cher, un frontière, t'as économique là, mais, si c'est son menace qui est lié pour nous tous, et on dit, nous, t'as droit à bombe nucléaire, nous, on va quitter ça, continuer. Chinois, d'abord, pour jouer, là, en passe. Qui a été fait. Nous avons checké Japon. Nous avons checké conseil de l'autre pays dans la région. Nous avons rencontré avec le président Philippines. Tout ça, son construction diplomatique en même temps tout. Où elle mettait deux porte-avions, il mettait un paquet de sous-marins, il fait des bombardiers dans la zone. Avec dit que nous avons fait deux approches, son approche en bas de la politique de la carotte et en l'autre bord de la politique du bâton. À qui est-ce qu'il va le faire, vous, Babonet? Non, mais écoutez, politique, j'ai été. Mais nous faisons analyse ça, mais vous savez, nous faisons analyse ça. Nous faisons analyse ça, c'est parce que nous-mêmes, dans le pays d'Haïti, il faut nous mettre tout de suite en place, tout. Et Dominique, on joue cette hégémonie qu'il a voir avec nous pour le mettre les pieds sous couille. Nous-mêmes, tout, nous devons avoir une doctrine. Et en stratégie diplomatique et à la fois militaire pour nous-mêmes atteindre l'objectif de politique étrangère. Et c'est pour ça que l'autre analyse ça, par rapport à la politique étrangère Trump, par rapport à la politique étrangère Obama ou bien Ronald Reagan, nous-mêmes, est-ce que dans l'État panouan, nous mettons infrastructures que l'État a besoin pour nous jouer même voiture pour nous défendre l'intérêt? Ok. Et bien content et son belle approche ou fait belle analyse et qui gagne un pile fondement et où qu'on est et c'est tout moi avant qui étudie relations internationales bah ça yo gagne pile tignas noté capoté mais c'est qui n'a guère fait ça mais ça ne voulait faire et ça ne voulait guet un bon petit bagage on saute pas les des TPS là ça sont petit axe anti virgule qui pas même en virgule dans ça que nous les politiques et migratoires des États-Unis et est-ce qu'on a un peu de mots est-ce qu'on a bon nous on l'essence même comme on sentit que la politique migratoire de Donald Trump est dans qui sens libre aller on fait même en tant qu'haïtien zéro barre on a les douleurs et c'est comme si à boula immigrant même des boussons qui sont de l'autre côté tant que moi même bon haïtien et chez même à si pas politique migratoire on va pas bon même on a les douleurs ça m'a d'ailleurs on a voulu là pour nous vendre billets nous pas signer avec billets là je vois politique migratoire presque anti étranger on a les douleurs en sorte de isolationniste qui on a le doulant même ça inquiète ma pile on ça c'est ça inquiète ma pile et pourtant nous c'était venu dans la communauté noire nous c'était dit qu'il d'avoir le champion communautaire et vous ça même m'attend toujours on une réserve oui il a des m'attend toujours et moi je suis certain des mots qu'il te baille ou bien ce que la fête en Georges Bush qui te dit rid ma lips vous voyez pas Georges Bush Mais pendant dit ça, Georges Bush c'est un homme qui fait plus bien pour les immigrants dans notre président. Qu'est-ce qu'il a coupé?
couper moi, couper moi dans mission pas important que ma. OK, OK. Et les gens où j'étais candidat pour président, les testimonio, regardez pour bouche moi. Regardez bien, attendez bien ça me gazi pendant n'a regardé pour bouche moi. Depuis nous faire président, pas monter taxes aux États-Unis. Monsieur vient président, lui monter taxes aux États-Unis. Donc là me dit est-ce que les bouches mais m'a parlé de bouche là, me dit est-ce que ton parle fait même pas la bouche pour oui mais lips là est-ce que par rapport à vous est-ce que monsieur de cette communauté là est-ce que monsieur Bral dans Little Haiti dans Miami est-ce que monsieur Bral trahit pour mais ça lui fait un coup sur le bouche pour dire oui mais lips donc moi matin dans les décisions va venir très bientôt. Ah oh, OK. Eh bien, m'a baye frère Jean posons l'autre et font l'autre intervention et ensuite n'a bien frère et Jacques cap poser et cap font intervention. OK. Monsieur Stanley, juste une question. La politique c'est un rapport de force et la politique c'est un jeu d'intérêt. Sur les deux combinés ensemble font bon politique vraiment. Est-ce que vous pensez que les États-Unis t'es qu'à réagir, j'en réagis à ces pattes d'un coup, un pays d'un coup, la Corée du Nord, et l'un prend par exemple l'Iran. Face à deux pays, ça, est-ce que vous pensez que les États-Unis n'ont pas agi différemment, c'est un autre pays, vis-à-vis de l'Irak? Quelle est la réaction des États-Unis vis-à-vis de l'Irak? Pour qu'à vous prendre moi encore, je me comprends que les États-Unis ont un petit problème basse qui fait me battre dans le bien. Je veux dire que la politique, son rapport de force, et la politique, son jeu d'intérêt. Question, moi, est-ce que les États-Unis ont agi différemment ces pays-là et avec la Corée du Nord, ou bien, comme nous pas arrivés dans l'Iran, face à deux pays, est-ce que vous pensez que les États-Unis ont agi différemment, c'était deux autres pays différents? Moi, c'est des bagailles qui, on parle de relations internationales, faut toujours assumer automatiquement. Première bagaille là, c'est que les pays n'ont pas d'amis, les pays ont des intérêts. I number one. Il n'y a pas aucun pays sous la terre qui a des amis, pays où c'est intérêt qui a gagné. C'est le premier bagaille là pour assumer en politique étrangère. Deuxième bagaille là pour assumer, c'est que toujours bon lutte hégémonique. Je dis à la Chine à regarder si elle a dépassé les États-Unis en matière de superpuissance, même si elle n'a pas dans rien, mais c'est ça l'objectif final. Pour venir prendre place aux États-Unis. Donc, l'assumer des bagages, ça, yo, chaque pays, étant donné que c'est un intérêt qu'il y a, il va pas développer des stratégies pour atteindre l'intérêt qu'il y a. C'est-à-dire que les États-Unis ont des intérêts en Asie. En Asie, hein, qui vont bouler à chaque pays dans la zone, une stratégie globale pour la région. Hein. Une stratégie globale là, il y a des stratégies pour chaque pays en fonction d'intérêts qui gagnent dans le pays. Eh bien, où est-ce que Non, son, on parenthèse ma pouvrir là. C'est-à-dire, c'est ça que fait Mdou, pression que Donald Trump a baillé Corée du Nord, mais faut qu'on ait et Corée du Nord, il n'a pas quitté. Et c'est ça que fait jour la Chine ta ouais États-Unis ta décidé vraiment pour intervenir Corée du Nord. Li ta plutôt intervenir parce qu'il pas prêt quitter États-Unis gè pied à terre Corée du Nord parce que c'est des cailli liés. Regardez. Ou politique étrangère pas jamais fait ça relé. Ou ça fait là relé ça en anglais assumption. Est-ce que la Chine décide que Corée du Nord sont un problème. Ils font un deal économique avec les États-Unis. Et puis ils quittent au café avec Corée du Nord. Absolument. Même Jean-Tour, ça veut dire que l'on a politique étrangère, il faut faire les scénarios. Bon, qui scénario qui est possible? Scénario, assumption qu'on fait, c'est un scénario. Il doit y avoir trois autres scénarios. Et c'est pour ça que l'on a un domaine de politique étrangère, il faut faire un scénario. Non, ça me fait aller les plus pragmatiques que Léon Saint a sanctionné. Chaque fois que je mon bagage, m'a développé. Non, c'est parce qu'on dit que Léon Saint a sanctionné. Par exemple, on retourne en 1996. Mm-hmm. Okay? Parce que, moi, des exemples, m'a essayé d'expliquer aux soldats, et puis, j'ai acheté mon coupé. Un autre exemple, 1996, là, Enoch. Côté la Chine, commençait à faire des déploiements militaires sur Taïwan, il dépensait que la testé les États-Unis pour essayer les États-Unis à défendre Taïwan tout bon.
qui ça les États-Unis fait. Les Chinois, au soi-disant, commencent à considérer les États-Unis débarquer deux gros porte-avions dans la région pour venir défendre Taïwan. Les Chinois sont obligés de faire back. Nous sommes le scénario 96 ans. Mm-hmm. Les États-Unis paraissent à deux gros porte-avions et des destroyers dans la zone. Les Chinois sont obligés de faire back. Mm-hmm. Donc, c'est où ça va d'où? Ou en politique étrangère. Mais 10 ans après. En tant qu'Haïtien, et nous-mêmes en tant qu'Haïtien, nous avons ça dans son nous. En matière de politique étrangère, Toussaint Louverture, tu te comprends la force que la France te représente. Toussaint Louverture, tu te comprends la force que l'Espagne te représente et les Anglais te représente. Qui ça Toussaint fait? En matière de politique étrangère, il développe une stratégie où il vient développer force pali au niveau national. Dans le premier temps, lui jouer avec les Français, après ça, mon deuxième temps, là, jouer avec les Espagnols, lui retourner dans le camp français, là, parce que lui-même, il était pour objectif principal, qui était la libération générale des esclaves. Donc, dans ce sens, non seulement lui créer une capacité au niveau national pour une force militaire pâle, mais au niveau diplomatique, il était comme qui j'en peux jouer avec les Anglais, les Français, les Espagnols, les Santonax pour la libération générale des esclaves. Mais ça, en matière de politique étrangère, nous avons un enfant, nous, mais malheureusement, on a couru par l'école pour nous hériter de toute connaissance diplomatique, ça, que tout ces ouvertures, Jean-Jacques Dessalines, Christophe, tout le monde qui a la mort, tout le monde qui a quitté pour nous. Et vous, ça, moi-même, toujours dit, jeune capitaine de radio, à l'école. Parce que ça, n'est qu'il y a fait là, au niveau de la diplomatie mondiale, tout ces ouvertures, c'était le plus grand diplomate de son siècle. En tant qu'esclave, M. Calais Napoléon. En tant qu'esclave, oui, M. Calais Napoléon, au niveau diplomatique et au niveau militaire. Et c'est pour ça que nous, au monde, l'on a ici, on pas n'importe qui monde. Mais, des salines à tout Saint-Édit, ou pas qu'à Anakou, il faut aller à l'école, il faut étudier, il faut mettre bêtement des tout. Yeah, c'est ça que fait, il faut nous pencher pendant le conseil président, il faut pencher sous système. Et sous système et l'école nous en Haïti et mon cher et si nous vraiment besoin en développement du alors comme nous on a commencé président Baïka même pas mal mon mati bon même beaucoup vraiment chita président pour bon qui genre nous va faire travail là nous va parler parce que on est rapport conseiller avec mon président son pas privé qu'il va pas parler dans la rue mais même si on est connecté beaucoup chita président pour nous discuter de job là, en aval et en amont pour nous mettre nous d'accord, on a mis nous là. Oui, je pense que c'est très sérieux pour nous faire ça. Et Jacques, comme vous l'avez dit. Aux États-Unis, on est conseillé dans la maison blanche, c'est pas grave ce qui est là. Non, mais ça va, ça va quand on joue tout, c'est dans le pays. C'est dans le pays, on est dit au conseil spécial au président, ça pas quand on joue du tout. Et Jacques Gouba est à dire là. Ok, Stanley, sous même question TPS là, je pense que vraiment une importance capitale pour chaque grain haïtien qui concerné. Ou pas penser au niveau diplomatique si Monsieur Jovenel Moïse t'a décidé rentrer en pour parler avec Donald Trump sur le dossier ça, peut-être était qu'à stimuler un renouvellement. Bon, c'est-à-dire qu'au niveau diplomatique, l'État n'a pas nous gagné une seule intervention au niveau diplomatique qu'il a fait. Et je pense que l'intervention ça a déjà fait, fondable de là. Donc, reste des machines, c'est nous-mêmes dans la diaspora, particulièrement comme gain haïtien américain qui représente, ça nous est en anglais ici aux États-Unis, constituencies, et moun kabal dans l'élection, toujours très sensible par rapport à constituencies. Donc, et là, pour que ça ait l'élève, on va dire que Donald Trump lui gagne l'élection parce qu'il gagne Florida. Donald Trump brise gagne Florida à cause de trois groupes de votants. C'est ça qui fait le gagne Florida. Premier groupe de votants qui fait le gagne Florida, c'est blanc sans diplôme, il n'y a pas de voter pour lui. Deuxième groupe qui fait le gagne Florida, c'est Cubain américain. Et troisième groupe qui fait le gagne Florida, son partenaire haïtien qui a voté pour lui. Donc ça veut dire que si nous sommes dans la communauté à coup, pour qu'on doit avouer que, par contre, qu'un haïtien américain en Floride va voter dans la prochaine élection, et ça a des conséquences politiques. Donc, c'est pour ça, soit regardez sur compte Twitter, adresse Twitter, moi, c'est @StanleyLucas01, ou bien @commercial_StanleyLucas01, ou bien sur page Facebook, moi, bon page Facebook, moi, il y a une photo en main, avec un drapeau haïtien là-dedans, pour avoir un petit slide, ça, que nous fait,
pour nous rappeler Donald Trump que la communauté haïtienne américaine aux États-Unis a été votée pour lui parce qu'il a fait promesse. Donald Trump a fait promesse qu'il allait être champion de la communauté haïtienne aux États-Unis. Et c'est pour ça moi-même, dans le gouvernement qui n'a pas mené pour tuer ça, nous va décourager malgré que le directeur d'immigration recommandé pour ne pas renouveler tuer ça. Ok, nous avons l'autre auditeur qui voulait poser une question. Et, hello? Et descend le computer là parce que il est en retard par rapport à nous-mêmes. Ok. Non, bon. Elle est vraiment difficile. Il a demandé pour le descendre. Alors? Récepteur là. Oui, oui. Ok, ok. Qu'on y a, on entendait. Ok. Bonsoir tout le monde. Content d'être là. Et papa Pilbet là, Pilbet sont là. Et m'encourager, non, et me dire merci pour l'information, non, pour connaissance, non. Et ça, c'est une question à poser spécialement. Étant que vous-même qui est dans le poste ça que vous gagnez là, qui espère que nous gagnons tant que haïtiens sur le plan politique? Ça fait plus gros âme que et pour un pays développé, il faut gagner en sécurité. Qui genre ou peut pour nous percer? Et vous mieux ça qui est devant nous et pour nous capables d'avancer sur le plan de sécurité haïti. Au tableau, les casses. Et non, bon, vous reprenez une question. Et quand on dit, vous reprenez une question. Madame, vous reprenez une question pour l'auditeur. Ok, et lui dit comme ça, lui d'abord féliciter vous pour. Pour en pile information vraiment de qualité que au poté dans émission et deuxièmement il dit et pendant que ou occupé place ou occupé a même si vous dit ou poko vraiment entendre son série de bagarre président il dit mais yon nan pi gwo fléau que président Haïti a confronté là c'est insécurité et qui ça ou entendre faire avec président là pour nous capable percer miraille ça. Bon, et merci pour belle question ça. Et ça auditeur a dit son analyse correcte. Pour pas qu'il y ait un développement économique sans sécurité. Et donc sécurité a son élément clé dans sauver, garantir investissement dans le pays qui a cherché développement économique. Dans ce sens, le président a une stratégie de sécurité nationale. La stratégie de sécurité nationale, là, c'est continuer à renforcer capacité police nationale là et développons là mais qui orienté vers la défense du territoire national mais en même temps tout qui a fait des services au développement et où on est que au niveau de la sécurité nationale nous avons sept grandes menaces de sécurité nationale sur Haïti. Une grande menace de sécurité nationale que nous avons par exemple c'est ça a eu les désastres naturels avec dit que un tremblement de terre fait nous perdre 14 milliards de dollars américains en 26 secondes. Un cyclone de Mathieu fait nous perdre 3 milliards de dollars américains dans Greenland nuit. Donc, nous-mêmes, nous vivons obligés de garder sécurité et désastre naturel là en sécurité nationale. Donc, soit comptons l'année, soit l'année a une capacité de génie militaire pour que les désastres naturels soient arrivés. Eh bien, pour une capacité d'intervention en faveur du peuple là, pour ces pas là, les étrangers qui ont débarqué dans le pays, ou des soldats dominicains, j'en ai des celles-là, qui ont débarqué dans le pays. Donc, pour nous-mêmes, renforcer et soulever la police nationale là, renforcer et monter en force de défense qui a aidé nous par rapport à des désastres naturels et protéger les frontières, nous, mettons service d'intelligence moderne, en même temps, tout renforcer capacité de protection civile. Bon dernier outil de sécurité nationale que nous besoin, parce qu'il fait nous un pile dommage, parce que nous n'avons pas gagné, nous victimes en pile pendant 40 années qui sont passées là. Aujourd'hui, dans la compétition mondiale qui gagne au niveau économique, et un pays qui ne doit pas débarquer militaire là, car il vous vient au pipo, donc il doit faire des dommages plus graves avec deux gros dangers qui existent sur la planète là, qui ont servi. Non, ça a eu les guerres de basse intensité, c'est ça a eu les virus à bactéries. L'autre virus à bactéries, pendant 40 ans qui se passent, ils ont fait nous perdre au moins 10 milliards de dollars américains.
Elle dit que l'autre virus qui a consigne, qui fait nous touiller tout cochon créole. L'autre virus qui attache là, qui nous vient le sida après, c'est lui qui détruit l'industrie touristique. Non. Tout touriste canadien qui est consorti dans le Canada français, dans le Québec, dans les années 90, c'est en Haïti où c'est qu'on descend. Dans les années 80, c'est en Haïti où c'est qu'on descend. À cause du virus sida, nous venons perdre tout touriste là, car les Saint-Domingue. L'autre virus grippe à viol, il touille tout pour nous. Il faut que nous commander 400 millions de dollars américains pour la ZE Saint-Domingue. L'autre virus Zika, Chikungunya, l'autre, tout virus ça, il y a des coûts financiers et il affaiblit l'économie. L'autre bactérie qui est le choléra, il touille 9 000 personnes, il contamine 900 000 personnes. Pour nettoyer le choléra dans le pays, il y a besoin à peu près 2 milliards de dollars américains pour pas gagner. Donc, je ne vous dis à nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, il faut nous construire une institution de l'État qui vous permette le virus de débarquer dans le pays. Même j'ai ici aux États-Unis, ils ont fait influenza américain avec CDC, ils ont une institution de sécurité nationale des États-Unis, CDC, ils ont ouest en Chine que influenza a sorti. Donc, je ne vous dis pas des virus comme Ebola, par exemple, dans les États-Unis, débarquer dans le pays d'Haïti, c'est oublié ça. Donc, nous avons besoin d'institutions, tant que CDC, pour nous monter dans le pays d'Haïti, pour que virus et bactéries qui ont crasé l'économie noire et qui ont tué les gens, les ont débarqué dans le pays, nous avons qui virus, qui bactéries liées, qui côté le sorti. Moi, personnellement, quand je vois là, les soldats n'est pas les ministères, c'est fini de choléra et dans le pays d'Haïti, bactéries choléra. C'est le premier monde qui écrit, qui dit que c'est négligé qui est la guerre. Une grosse pression politique pendant 3 ans. Il y a des gens qui disent c'est vous, vous avez monté, c'est menti, vous avez maille. C'est 5 ans après, il y a l'autre monde qui vient entrer dans la bataille là, qui vient faire que le secrétaire général de la Jésus-Unie admette que ce soldat n'est pas là tout bon qui l'a révolué là. Mais pendant 5 ans, les gens qui disent menti, que nous avons maille. Donc, je vais vous dire, l'on parle de sécurité nationale du pays d'Haïti, un document que nous avons mon lit, un document ça a moi-même qui écrit depuis 2007, lié en anglais et lié en français. Document ça, son document 24 pages qui est lié au cas où on est sous compte Twitter, moi, à Obaz, Sandeliga 01, ou bien à Commercial, Sandeliga 01, ou bien sous page Facebook, moi, de bon page Facebook, là, il y a une photo, on la voit avec un main là-dedans, il y a de la voix sous main. Document, on va Google tout, en français, il y a proposition pour une stratégie de sécurité nationale pour Haïti par Sandeliga, on va regarder lui, ou bien sous son monde qui parle en anglais, il y a Reframing Haiti's National Security Strategy by Stanley Lucas. Le voile sur Google, what we need. Ok, et je pense que là nous avons marché. Et avant de me poser une dernière question. Oui, avant de me poser une dernière question, ma baille et ma baille Jacques et font intervention. Et Jacques, je pense que c'est la dernière intervention. Ou fait. Et so, non, oui, oui. Donc, Stanley, bon, évidemment, je ne sais pas si c'est le mot de la fin, frère, donc, bon, moi, même à profiter, remercie vous pour l'invitation qu'on répond avec lui. Je pense que nous apprenons pile de tout ce dit, même le, en partie, gagner nos tables, gagner des désaccords, mais en gros, en genre de bien, je pense ou bien sauté, ou bien passé, et communauté à prendre en pile. Donc pour dernière question que m'ta aimé poser ou même dans position qu'on vient gain par rapport avec gouvernement sac Montéa qui espoir penser Haïti gain avec gouvernement Trump là. Bon, et la politique pas rien à faire. Tu me complètes question ça, parce que et c'est une question similaire que tu as posée. Et nous connaissons que Trump lui-même, il a besoin de faire l'Amérique riche là, il a coupé l'aide qui a été contre un pile pays. Et Haïti, c'est un. Il va couper. Oui, mais il a gagné sur. Président Trump voulait couper l'aide internationale là de 38%. Uh-huh. Mais le Congrès américain, pas suivre ça, M. Devedien, au contraire, ils n'ont pas qu'à être qui mettaient plus l'argent qui était bien qu'il y a encore. Donc, en ça, Trump voulait. Parce qu'il ne faut pas oublier ici aux États-Unis, même le président Blond Bagaille, quand il s'agit de l'argent pour le dépenser, c'est le Congrès qui a décidé qui coûte l'argent pour le. Absolument. Il y a un omnibus là.
que moi mettre sous contrôle de moi dans omnibus là sous garde bien qui soit vrai. Là vrai par exemple et je mettais 16,485 milliards pour ça les overseas contingency operations et qui avait presque 2 milliards plus que des guerres à l'éduquer. Là pour 8 milliards 558 millions pour programme diplomatique et consulaire et ça veut dire que le Congrès a ajouté 52 millions en plus de ça que c'est gagné. L'autre, par exemple, protection diplomatique de mission ambassade à l'étranger, qui était à peu près 6 milliards de dollars, il a ajouté 454 millions en plus. Ça veut dire que l'ancien président TV, qui était coupé budget de 38% du budget de politique étrangère des États-Unis ou aide externe qui était comme d'ailleurs là, et c'est pour ça, ouais, souvent faire dossier, on va prendre bagage là, non? Et c'est pour ça, l'on en politique, faut faire dossier. Et c'est pour ça qu'on a eu un problème avec moi. Oui, non, ça dit, il y a l'état de projet toujours. Enoch, mais pas l'état de projet. Omnibus n'a pas passé trop de signes. Pas un projet, Enoch, mon cher. Et c'est pour ça, ouais, quand je m'en parle avec nous là, nous faisons une belle émission soir. Où on a changé l'idée, on a changé les données, on a discuté sur la substance. Si c'est avec un anakou, on a discuté là. Dès qu'on y a eu un jour avec moi. Non, mais c'est ça, ma douleur. Et c'est comme ça, la politique moderne, en fait. L'on vient dans la radio pour faire un dossier. On ne va jamais faire compte à moun. L'on vient dans la radio, mais ça donne. Si moun nan lui-même n'a pas fait un dossier, il n'a pas donné, il perd du débat. Le problème qui fait la politique dans le pays d'Haïti n'a pas avancé, anakou, vous pouvez pas faire un dossier. Les gens qui viennent dans la radio, c'est même si vous que nous connaissons, vous faites déjà sous forme, vous touillez le monde, vous voulez l'argent de l'État, vous c'est là. Nous avons fait un jeune qui a souffert pour le dernier mot par là, et je pense que vous avez trop pour dire, vous avez fait comme ça. Mais il faut un jeune, vous mettez le dernier mot par là. Monsieur Sandé, c'est vraiment un plaisir pour m'écouter. Je souhaite un jour qu'on rencontre avec vous face à face. Je dis deux mondes pas rencontrer, deux chrétiens vivant rencontrer. Donc, c'était vraiment informatif avec information. Mais l'homme, on a parlé, il connaît son appareil, il fait des données. Je ne suis pas obligé d'accord avec vous. Mais moi, on connaît son appareil. Et c'est cette tolérance que nous devons pratiquer en Haïti. Bah, tout bas en philosophie, c'est pas la méchanceté des méchants qui tuent, c'est le silence des bons. Quand des gens en cours qui formés, ou qu'il y ait des informations pour quoi, il va utiliser. Moi-même, regardez, c'est moi-même qui vous dis merci, frère. De messieurs pour nous garder nos générations. Dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, nous gardons mes côtés dans le privé. Pour nous garder cet esprit de tolérance, cet esprit de civilité. Et nous avons l'exemple des États-Unis, nous avons l'élection, Madame Clinton perdue, nous avons montré civilité et nous avons venu dans l'inauguration. Mais contrairement à Haïti, c'est complètement différent. Donc, c'est un plaisir pour nous garder ensemble avec vous. Nous souhaitons que la prochaine fois, nous avons une chance pour nous rencontrer avec vous, pape pour pape. Mon cher, le plaisir est réciproque parce que si échange ça que nous sommes là, bien des côtés nous d'accord, mais que nous, bien des côtés nous pas d'accord. Pour ça nous réussit faire ça là? Pour deux raisons. Parce que nous, tous qui sont sur le panel là, nous comptons de qui ça n'a pas parlé et en même temps, c'est sans ce dit là, nous avons tolérance par rapport à nous ou l'autre. Et c'est ça la politique. Politique, c'est capacité pour nous faire grâce à l'idée. Même là, nous pas d'accord, nous pouvons apprendre à ne pas être d'accord avec beaucoup d'amabilité et de boudoisie. Oui, et c'est là qu'on a un problème. Oui, il n'y a pas qu'à faire ça. Alors, Monsieur Stadley, et vous n'avez vraiment pas de mots pour remercier pour et non seulement nous connaissons son monde qui est vraiment toujours très pris, et très sollicité, et c'est ça que fait et frère Jacques dit il est toujours tando, c'est et nous même tous nous toujours tando, non seulement toujours tando, et même l'MT tankouna à l'étude supérieure dans l'université et conseil des bagailles m'té à checker sous page ou tout et surtout au niveau de relations internationales, et c'est-à-dire et m'connais mon que m'invité à. Et c'est ça que fait, c'est pas parce que c'est pas n'importe monde tout et dans on émission nous te promettre auditoire ça gade sujet n'a traité pas éviter n'importe monde la donne. Et c'est ça que fait, nous disons merci d'être côté répondre présent et merci tout pour toute information que tu partager avec nous
et nous souhaiter que et on l'en a venu pour nous parler d'Haïti et d'Haïti sous tout point de vue et mais surtout et sous gouvernement Jovenel là et qui direction qui ça changé qui ça et qui côté libre au senti libre à la pays et surtout qu'on y a là et nous pral gon carence de Petrocaribea et nous pa gen capacité pour nous prêter et catastrophe naturelle a ravagé pays donc et monsieur Gampil ambition étant que chef de l'état bon et tout ça on pensait que c'est bagaille m'a tant Stanley dans débat samedi dans débat politique hier samedi m'a tant Stanley me pense c'est vraiment moi qui pour remercier de invitation ça pour faire vraiment moi je passe un bon moment avec nous et même si grand pile bagaille pour nous te gain temps aller nous pas te gain temps aller sous yo mais ça fait vraiment plaisir de passer un bon moment et moi même toujours à la disposition au problème pas attendre pour venir parler de pays d'Haïti et surtout la carte ça revient dans ce fait là même depuis semaine là caravane et ton situation vraiment malouque au niveau économie pays et au niveau de l'agriculture tout le monde a parlé la radio qu'on est que en 2005 l'agriculture a été représentée 38% du PIB du produit intérieur brut mais aujourd'hui elle descend à 18% avec dit que les présidents ont décidé la rentrée pour la fond caravane changement dans la dynamique dans l'autre département c'est parce que lui qu'on est aujourd'hui pendant qu'il a parlé à c'est seulement 14 000 hectares de terre qui ouze dans la Tibonite là. Alors que la Tibonite là, t'as loué, il y a plus de qui ouze. Mais je dis, avant de ma parole avec vous là, c'est seulement 90 000 tonnes d'huile que le pays a fait, alors que consommation nationale annuelle d'huile représente 500 000 tonnes. Donc, objectif ça, avant le changement président, le monsieur prend tout matériel, loue l'État, qui n'a pas la République, qui n'a pas CNE, pour l'entrer dans la Tibonite là. C'est pour le nettoyer 197 km canal d'irrigation. Il va le nettoyer 87 km canal drainage. Il va construire 50 km de neige pour empêcher que l'aide d'eau descende dans l'eau pas craser. Il va réparer 100 km de route agricole dans la Tibonite. Le travail a fini. Au lieu de 14 000, à bien 32 000 hectares de terre. Capable produit d'huile avec légumes. Monsieur va encadrer paysans. Seulement dans la Tibonite, hein. Pour les paysans qui vivent sous un carreau, deux carreaux, ils vont apprendre paysans pour mettre tête ensemble. Chaque fois, paysans réussissent à mettre 500 hectares de terre ensemble pour le travail. Là, ils ont accès à crédit avec un taux d'intérêt qui est bon. Ils ont accès à équipement moderne. Ils ont accès à assistance technique pour produire plus. Donc, caravane, ça, c'est pas non, un département lié, il va y a 5 pôles de développement économique pays qui ont un potentiel agriculture. Mais bagay qui bon de l'eau dans le jeu, c'est que, ouais, on s'est des nègres pendant le président d'avoir laissé faire ça, il a laissé voler les tracteurs, les grides, les motoculteurs, et c'est bloqué CNE, bloqué travaux publics dans la Tibonite pour ça pas fait. Mais heureusement, le président a pris courage demain. Voilà, elle a commencé, nous allons voir le résultat à vie devant. Monsieur, merci beaucoup, bon Dieu béni, mon Kébéla. Merci, bon Dieu béni, on tout, et puis, n'a pas allé, à la prochaine. Et ça fait énorme. Demain, il faut garder le débat présidentiel là, on va tout demain à 3h, parce que selon le monde qui vient à l'élection, il va gagner un pas positif ou négatif sur nous. Et si c'est Marine Le Pen, ça va le déporter à ici. Non, nous mêlons. Il va réduire l'argent. Les peines pas monter moi même c'est trois bagages que me fait c'est bon Dieu et la parole et puis la politique et puis le sport c'est trois bagages ça que me fait c'est-à-dire bagages qui passent à travers le monde que brate merci en pile et ça ça m'a fait un grand plaisir et m'était tape couteau tout d'Haïti parce que m'était annoncé m'était dit que ou tape avec nous et jodi a bon bon patriote que lié tout bon on est. Même la gain différence nous apprécier tout le monde même là nous fait si gourmet politique avec eux tout bon Dieu béni.
Eh ben OK, merci. Même tout, Stanley. Merci et c'est moment qui arrivait pour nous capables d'y mettre fin à l'émission et puis nous encore une fois nous dit merci, un grand merci à Stanley qui était avec nous et nous dit merci avec et collaborateurs nous et collègues nous et monsieur Henri Jacques et Jacques-Henri et Janvier et Avril ou Janvier qui était vraiment déplacé et avec nous dans le studio nous dit nous pas gain mot pour nous remercier et maître Romel Jean-Louis et Fréno et Frère Eugène et ensemble avec Frère Claudie et en pile l'autre monde qui tape texte nous qui pas gain opportunité pour te relayer et c'était un grand plaisir pour nous t'être avec vous encore une fois espérant que la plus prochaine occasion n'a gain d'autres émissions d'autres sujets et d'importance de qualité d'intérêt.